Ouais, c'est sûr que après un tel match, ça fait toujours du bien d'avoir du repos. On savait que ça allait être un match compliqué contre cette grosse équipe de Lens. Je pense qu'on a fourni énormément d'efforts, donc c'est sûr que ce jour de repos, il fait du bien. Ouais, c'est sûr que c'est l'idée de jeu qu'on a décidé de mettre en place et que le coach a mis en place depuis le début. On essaie de jouer, de nous prendre du plaisir sur le terrain et je pense que dès qu'on prend du plaisir, les supporters en prennent. Après, ouais, depuis le début, il n'y avait pas forcément les points et je pense qu'on méritait peut-être un peu plus de points sur la qualité de notre jeu. Mais là, contre Lens ce week-end, on a réussi à avoir tout. On a eu le beau jeu, on a eu le bon état d'esprit et en plus, on a les 3 points à la fin. Non. Ouais, c'est sûr que quand on a énormément de supporters qui poussent derrière, qui nous aident, ça donne forcément beaucoup plus d'énergie. On a l'impression de ne pas avoir joué le match et d'un coup, on a un surplus de confiance, d'énergie, peut-être un peu d'adrénaline, d'excitation qui nous donne envie de faire peut-être ces 5 mètres, ces 10 mètres en plus pour pouvoir faire ce tac, pour pouvoir sortir le ballon. Et en plus, ça peut leur faire plaisir et si on leur donne du plaisir sur le terrain, c'est que du bonus pour nous. Ouais, bah, c'est sûr qu'il y aura du foot. J'espère qu'ils vont venir nombreux. S'ils se régalent en ce moment, bah, j'espère qu'ils continueront à se régaler. Et après, forcément, nous, s'ils viennent de plus en plus nombreux, ça va nous aider, ça va nous pousser à faire des matchs comme contre Lens ce week-end et ça va nous aider à avoir de très bons résultats. Ouais, petit clin d'œil, forcément, ça fait plaisir surtout dans ce club. Et après, ouais, forcément, je ne m'attendais pas forcément d'être en espoir directement, mais moi, pour moi, c'est que du plaisir, c'est un bonus et c'est une sorte de récompense pour moi de mon travail. Donc, je suis très content de ça et je vais continuer à travailler pour rester dans cette équipe. Ben, au début, c'est un petit peu la découverte parce que ben, il y a des joueurs que je ne connais pas encore, il y a d'autres générations et de très gros joueurs aussi dans cette équipe et une très grosse équipe. Et après, au fur et à mesure, je me sens très bien dans ce groupe. C'est forcément une énorme expérience pour moi de jouer avec ces de tels joueurs. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est du plaisir et c'est du bonus pour moi. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on avait des automatismes avec Jo, mais après, on va s'adapter. C'est normal que des fois, on prenne peut-être des rouges ou qu'il y ait des rotations. Donc, on s'adaptera avec l'équipe qui aura ce week-end et les automatismes viendront aussi parce qu'on se connaît tous très très bien, que ce soit Jordan, que ce soit Léo, TJ, Flo qui peut jouer au milieu ou n'importe quel joueur. Donc, n'importe quel joueur qui sera sur le terrain, je pense que ça donnera une bonne chose. Oui, après, je pense pas qu'on y aille pour un point. Je pense que tous les matchs, on y va pour les gagner, que ce soit Monaco, que ce soit n'importe quelle équipe du championnat. Notre objectif au début du match, c'est de gagner. Après, forcément, on va avoir comme objectif de continuer à produire un très beau jeu, comme je pense on le fait depuis le début de la saison. Et les 3 points, c'est toujours notre objectif.